ici Normand Delessart et bienvenue à une autre capsule de Hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous parle d'un documentaire qui a été enregistré en 1979 par Radio-Canada. Un documentaire sur la Beauce. Alors, on regarde ce que ça donne. Bon visionnement! La Beauce est belle. Elle est belle entre autres beauté forte, d'une incontournable, toute présente, mouvante, impétueuse et parfois tranquille rivière. Apprivoisée par un nom presque comique, la Chaudière. Vraie force de la nature qui dit « Vous êtes ici, c'est à cause de moi ». Elle me parle, cette rivière, puisqu'elle coule comme l'histoire. Comme la mémoire pleine de mots qui bouillonnent et clapotent. Ce pays est né de moi, et les gens de ce pays m'ont changé. Je les ai vus s'établir auprès, et grandir, et aller vers les hauteurs. Il ne faut pas oublier qu'il y a en France une vieille Beauce, et que la nôtre, donc, s'est d'abord nommée Nouvelle Beauce. L'intendant, le gouverneur, ont encouragé la colonisation en distribuant gratuitement de la poudre et du plomb aux habitants de la Nouvelle Beauce pour leur aider à subsister dans l'établissement qu'ils font. Ils annoncent fièrement que la rivière du Sceau de la Chaudière commence à se peupler. En 1739, on sait qu'il y avait en Beauce 25 familles et environ 200 jeunes habitants. Les pionniers de la Beauce ont souvent des liens de parenté. Ils viennent rejoindre ou sont rejoints par des parents. Ces familles forment des noyaux, des réseaux qui facilitent l'enracinement et l'intégration. La Beauce en est un des pays du Québec dont l'identité est la plus évidente. J'étais ici avant que l'humain paraisse. Que je coule douce ou parte en grande, ça ne dérangeait personne, je parlais toute seule. Puis les premiers sont venus. Ils avaient nom à Benaki et m'ont nommé Méchatigan. Puis vous êtes venus, de loin, en votre 18e siècle, d'une France ancienne, si grouillant d'entreprises que certains se disaient seigneurs. J'ai entendu 1736 et je vous ai vu vous établir le long de mes rives. C'est l'époque de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'est une population de 39 000, une population qui double à tous les 25 ans. Donc, c'est une population qui a besoin d'espace pour, finalement, s'établir. Et les vieilles paroisses des environs de Québec, entre autres, manquent d'espace pour établir les nouvelles familles et les jeunes gens. L'âme dirigeante de la colonisation le long de la Chaudière, c'est Joseph Fleury de la Gorgandière. Joseph Fleury de la Gorgandière, c'est un marchand de Québec qui dispose de capitaux importants, qui est expérimenté et qui réussit à obtenir pour lui et pour ses deux gendres des seigneuries le long de la rivière Chaudière. Ses deux gendres, Rigaud Vaudreuil et Taschereau. À mon ancêtre en particulier, on lui a concédé une seigneurie et il devait en retour s'occuper de faire venir des colons, de leur construire un moulin à farine, une route pour se rendre jusqu'à Lévis et maintenir un régiment de milice. Nous nous trouvons actuellement sur les lieux mêmes de cette seigneurie. Vous
sur la gauche. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Oui, parfait. OK. Regardez-moi. Regardez la caméra. Vous êtes venus, les Lessards, les Vachons, les Doyons, les Rodrigues, les Poulains et les autres. Vous êtes venus faire des familles pour longtemps. Parce que ces noms, je les entends encore. Mon ancêtre, Dominique Poulain, vivait sur la côte de Beaupré, précisément à Saint-Joachim. Et puis, sans doute, sans aucun doute, par manque de terre, à cause d'une surpopulation agricole qui existait à ce moment-là, l'ancêtre a cherché du terrain ailleurs, a cherché à aller s'établir ailleurs au Québec. Et puis, il a choisi d'émigrer en Beauce. L'ancienneté du peuplement de la Beauce fait que le Beauceron a une identité. Il se sent Beauceron. Et historiquement, c'est très facile à voir. La Beauce, d'abord, a démarré par des îlots de peuplement dans la vallée. Et par la suite, les gens ont colonisé les plateaux. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec un territoire qui a des racines communes et dont l'épine dorsale de ce territoire-là, c'est la rivière Chaudière. À partir de moi, la Beauce s'est étendue loin sur les coteaux, du Saint-Laurent où je me rends jusqu'au grand pays d'à côté. En 1775, quand le général américain Benedict Arnold et ses troupes ont tenté de prendre la ville de Québec aux Anglais, c'est par Mérive qu'ils sont passés. Parce que les Beaucerons là, exprimaient une sorte de rancœur, une sorte de vengeance vis-à-vis des Anglais en aidant les Américains. Puis j'ai un indice de ça, c'est que quand j'étais jeune, même assez jeune, j'entendais mon grand-père dire, puis c'était un cri du cœur, il parlait des maudits Anglais. C'est pas nécessairement ça qu'on pense aujourd'hui, mais pour lui, là, dans la tradition là, de ses ancêtres, là, ces gens-là étaient maudits. Sans doute parce que c'est à cause, encore une fois, des sévices qu'ils avaient subis, des destructions qu'ils avaient subies sur la côte de Beaupré. Au début du 19e siècle, des groupes anglophones s'établissent entre autres à Frampton, Broughton, Cranbourne et le long du chemin de Kennebec. Ces communautés-là ne dépassent jamais 4000 personnes et ne représenteront jamais plus que 16% de la population beauceronne. Après avoir atteint un sommet au milieu du 19e siècle, ces communautés vont décroître très rapidement et finalement, en 1931, cette population ne représentait plus que 2% du total de la population beauceronne. C'est moi qui, comme toutes les rivières, fus la première route. Aux abords de mes rives, il y en a eu bien d'autres. Jusqu'au chemin de fer, le traversant, pour nous relier à l'Estrie et au bois franc. Et ces chemins, de terre si noire et boueuse, qu'en Beauce, un certain surnom demeure. Ils partaient avec des charrettes, des attelages à chevaux. Et puis, dans le bout de Saint-Henri, là, il y avait un terrain marécageux. Le chemin était marécageux. Et puis, les gens, ben, les voitures étaient chargées pour alléger le cheval. Des fois, ils poussaient. Il fallait qu'ils poussent en arrière des voitures, des charges, pour traverser le marécage. Alors, ils relevaient leur lampe de pantalon. Puis, ils marchaient dans la terre noire. Et qui arrivait à Québec, sur la place du marché, les jarrets noirs. C'est de là qu'est venue l'expression « les jarrets noirs ». Ça existe encore. Moi, je suis né ici, mon père est né ici, mon grand-père, puis mon arrière-grand-père. Ça fait que on porte le nom, on est des vrais jarrets noirs.